à 8 secondes du départ. Le départ est bon. Et c'est le cannonball, Donald Leduc, qui est en avant. Il sort le premier du virage numéro 1. Et il a une bonne priorité sur Poirier. Le cannonball qui, depuis Brockville, a remporté la majorité de ses épreuves. Les finales à Brockville, à Valleyfield, tant au défi du vendredi que la finale du dimanche. Il a remporté sa première course plus tôt ce matin. Il est aux commandes de l'épreuve du groupe 2C. Trois secondes de priorité sur le nouveau Zebra. Et Caroline Dehou, elle, dans le Level Dog, qui ferme la marche. Et le Duc qui augmente son avance sur Poirier. Une chance inouïe, seulement trois embarcations pour cette épreuve, donc l'eau est très claire et en plus il roule devant tout le monde. Très très rapide pour le Cannonball qui augmente sa priorité sur Poirier dans le nouveau Zebra. Donald Leduc, le petit-fils de Jules Leboeuf, d'ailleurs il lui rend notamment hommage avec les couleurs orange et beige. Je crois avoir aperçu Jules Leboeuf dans les puits ici à Saint-Félicien. Monsieur Leboeuf, surnommé de foot, a déjà été champion des régates de Saint-Félicien. On complète le tour dans le virage numéro 2. Et le Duc, très stable, très rapide, il est devant son opposant Poirier. On a un demi-parcours d'avance sur Caroline Dehou au troisième rang. On va sortir le drapeau blanc pour signaler le dernier tour à faire à Donald Leduc dans le Cannonball. Très, très rapide, très stable. Lance comme l'homme à battre ici au Régal de Saint-Félicien en classe 2,5 litres. Cannonball, Leduc, qui est un pilote depuis 14 ans maintenant. Lui qui a débuté en stock car et a fait plusieurs bolides avant d'arriver en hydroplane. Son oncle, Jean-Guy, qui est pilote et maintenant constructeur. Les oncles Leduc également. Alors on se lève pour accueillir votre gagnant de cette épreuve en classe 2,5 litres, la CS48 Cannonball, Donald Leduc. Deuxième position pour le CS33 Nouveau Zebra, Marco Poirier. Alors, on a eu une lutte à deux pour un peu plus d'un tour, mais Leduc qui était véritablement plus rapide que son rival. Et Caroline Dehou qui, elle, est à compléter son dernier tour.
elle a bénéficié d'une belle troisième position. Et c'est ce qui complétera la troisième qualification de 4 en classe 2.5 litres. Il va rester un groupe à venir sur l'eau. Et avant de la présenter, eh bien, je vous repasse la parole, la musique, le party, la danse, tout ce que vous voulez avec Régent, Pat et Billy.